C'est vrai qu'on enchaîne les matchs. Maintenant, arrivé aussi dans le dernier carré, les matchs s'enchaînent, notamment avec le match contre l'Allemagne mercredi. Mais on est préparé à ça, on est des athlètes de haut niveau, c'est notre métier, donc on se prépare tous les jours. Maintenant, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est la récupération, l'hygiène de vie, l'hydratation, parce que le match contre l'Allemagne arrive vite aussi, donc les organismes vont être vite fatigués, donc c'est important aussi de prendre soin de son corps, et ça en fait partie, c'est le mot d'ordre d'aujourd'hui en tout cas. Non, beaucoup de joie forcément. On sait qu'on était attendu, mais c'était pas forcément la priorité de tout ça. Nous, c'était rester focus sur notre groupe, sur les 23 joueuses, sur le staff. La victoire était là hier, c'est le plus important. Maintenant, voilà, on a savouré hier soir, dans le bus, au repas ici à l'hôtel. Donc c'était notre instant à nous, à tout le staff, à tout le groupe. Et maintenant, aujourd'hui, on est focus sur le match contre l'Allemagne. Je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes, chaque chose en son temps. Hier soir, c'était le moment un peu de décompresse après le match. Et aujourd'hui, c'est vraiment focus sur le repos, sur l'hygiène de vie et à partir de même ce soir et demain sur l'Allemagne. On a un groupe de qualité avec des jeunes, des filles avec des expériences. C'est important dans le groupe, tout le monde est focalisé sur l'objectif, là mercredi c'est l'Allemagne, donc non, tout le monde a contribué hier à la victoire, je pense qu'on l'a vu après le coup de sifflet final, tout le monde était investi, il y a eu des moments de joie, il y a eu des moments de partage et c'est ça qui nous galvanise, on travaille au quotidien pour des émotions comme hier soir, on en veut encore d'autres forcément, on a faim de victoire et j'espère que ça va continuer comme ça, on a envie de procurer du plaisir, de donner du partage aux gens qui nous suivent depuis des années. Forcément, on est attendu parce que l'objectif, c'est de gagner des titres. Pour l'instant, l'équipe de France ne l'a pas. En tout cas, nous, c'est notre objectif actuellement. Et c'est pour ça qu'on veut faire chose après chose, étape par étape, et être focus sur mercredi et faire du mieux possible. C'est vrai qu'on a un potentiel offensif énorme. Après, on peut aussi souligner l'absence de Marie. Mais c'est vrai qu'avec la vitesse, la percussion, c'est des filles très intéressantes pour nous. Moi qui joue un poste de sentinelle au milieu de terrain, c'est un plaisir de jouer avec ces filles-là. On sait qu'on a beaucoup de sécurité avec elles, notamment avec Caddy, parce que voilà, elle est dans la percussion, elle est dans les efforts. Delphine, c'est pareil, avec un jeu en profondeur avec sa vitesse. Donc c'est vrai que les équipes aussi avec qui les adversaires nous craignent aussi parce qu'on a la qualité, on a le potentiel et on va essayer d'exploiter ces qualités-là. Non, forcément, on est contente. On est contente, c'est le dernier carré. C'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est étape par étape. Là, maintenant, on va se focaliser sur le match de l'Allemagne. En tout cas, ça a été un bon match, un très bon match hier. Pour ma part, j'ai faim, forcément. Je pense que ça s'est vu un peu hier. J'ai 32 ans, je suis en fin de carrière. J'ai envie de profiter des moments présents. On a un groupe de qualité. J'ai envie qu'on y aille le plus loin possible. Et hier, j'avais pas du tout envie qu'on rentre à la maison. Donc j'ai faim. J'ai envie d'aller le plus loin possible. Et le groupe aussi, d'ailleurs. Donc non, je suis prête pour le match de mercredi. Oui, forcément, il y a beaucoup de joie. On a réussi à enfin passer ce quart de finale. Donc voilà, hier, c'était beaucoup de joie dans le vestiaire. On a vraiment profité. Et voilà, aujourd'hui, on essaye. On essaye vraiment de switcher, même si on profite encore. Mais voilà, c'est pas encore fini. Il nous reste encore une demi-finale et une finale à aller chercher. Donc en tout cas, on essaye de switcher un maximum pour mieux se préparer pour la suite. On a eu un mois de préparation avant et justement le but ça a été de bien se préparer pour essayer d'arriver jusqu'au 31. Moi je fais confiance à notre staff et je pense que la préparation qu'on a faite elle a vraiment été de bonne qualité. Donc de ce côté-là, physiquement je pense qu'on est préparé en tout cas pour aller jusqu'au bout le plus loin possible. Oui c'est vrai, forcément on n'a pas été. C'est pas le match où on a été le plus efficace offensivement. Après malheureusement ça peut arriver dans une compétition, mais le plus important c'est qu'à l'issue du match. Qu'on retienne la victoire et c'est ce qui s'est passé hier et c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir. Des erreurs, on va forcément en faire, mais le plus important, c'est qu'à la fin, on en ressort vainqueur. Donc voilà, je pense que de ce côté-là, on a quand même bien réussi à le faire hier. Je pense que maintenant, ça fait quelques années, on a l'habitude de jouer ensemble. Donc on se connaît toutes, on connaît chacune nos caractères.
Et je pense que le plus important, ça a vraiment été, bah, comme vous l'avez dit, la sérénité, l'entraide durant les matchs, même si ça n'a pas toujours été facile. Je pense que c'est important qu'on ait une coéquipière qui nous dise des mots qui vont nous rassurer, qui vont nous aider parfois quand on est un peu moins bien. Donc voilà, je pense que de ce côté-là, on est plutôt pas mal au niveau du groupe. Oui, le rôle de coach, bah, c'est une coach qui nous parle assez souvent, notamment avant les matchs. Elle est là pour nous rassurer, pour nous aussi nous donner des directives, ce qu'on doit réaliser sur certains types de matchs. Et voilà, je pense qu'elle a un rôle, elle a eu un rôle assez important, notamment depuis le début de la compétition. Non, pas de la crainte. Après, c'est vrai que ça a été un de nos premiers objectifs d'arriver jusqu'à ce stade-là, c'est-à-dire atteindre le dernier carré. Donc voilà, maintenant, on sait pourquoi on est là. On a vraiment à cœur d'aller le plus loin possible. On s'est fixé des objectifs. Donc voilà, maintenant, je pense que tout ensemble, on va se mobiliser pour donner le meilleur de nous-mêmes et essayer d'atteindre la finale. Ça remonte, hein. Non, c'est vrai, bah, pour moi, c'était, je crois que c'était ma première compétition majeure avec les A. Donc forcément, pour moi, j'ai que de bons souvenirs malgré l'élimination. Ça a été pour moi ma compétition, mes premières minutes dans un grand tournoi. Donc voilà, malheureusement, on s'est arrêté en quart face à l'Allemagne. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, j'ai vraiment à cœur de prendre ma revanche, on va dire. Donc voilà. C'est vrai que Marie, c'est une très bonne attaquante. J'avais l'habitude d'évoluer avec elle en club, donc je la comprenais assez bien. Mais voilà, aujourd'hui, malheureusement, elle s'est blessée et on doit faire avec. Donc je pense qu'on a assez de qualité dans le groupe pour pallier à ce remplacement. Et c'est ce qu'on a fait lors du match précédent. Donc voilà, après, j'ai aussi évolué en pointe. On va dire, c'est pas le poste où je me sens le plus à l'aise, mais... Voilà, si je dois rendre service, je le fais, même si mon poste préférentiel, c'est avant.